Bonjour tout le monde, présentation du pistolet de soufflage et d'aspiration à air comprimé de Parkside, le PDSB10A1. Il a une fonction aspiration et soufflage, la pression de travail est au maximum de 10 bars et il est fourni avec des accessoires. Et vous avez des exemples d'utilisation. Le produit est garanti 3 ans. On y trouve une boîte de rangement avec l'image du produit sur le côté, la notice d'utilisation, la consommation d'air est de 400 litres par minute. L'air doit être propre et sec, il ne doit pas y avoir d'huile. Un tube de prolongement. Il doit facilement faire 0,5 mm d'épaisseur. Un tuyau flexible. Un sac pour récupérer les poussières. Et il s'ouvre sur la partie arrière. Un collier de serrage. Alors, à noter que c'est pratique, il n'y a pas de système à visser, vous voyez, on peut tourner. Trois buses différentes. Ici avec une petite brosse souple, ici avec un petit tuyau, une rallonge plate, un coude et le pistolet de soufflage et d'aspiration. Avec un bouton de fonctionnement à ce niveau-là, le raccord est déjà prémonté pour connecter le tuyau à air comprimé. Ici vous avez un sélecteur de mode VAC pour le mode aspiration, vous tournez et là ça sera soufflerie. Ici pour mettre le sac. On notera que la finition de mon sac n'est pas géniale, vous voyez, il y a déjà un trou ici. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Vous pouvez également mettre la rallonge. Par contre, on ne peut pas l'utiliser avec cet embout. Je vais utiliser le compresseur Parkside de Pacchio 270 A4 à 10 bars et je vais le connecter à un filtre à air afin d'avoir un air propre et sec. La vidéo où je présente le filtre à air s'affiche en haut à droite. Un petit peu de poussière. Donc là je suis en mode aspiration. Donc évidemment avec le trou ici je me prends plein de poussière. Je passe en mode souffleur. On va commencer par le point négatif avec le sac. Vous voyez, la finition est quand même moyenne, il y a plein de coutures qui sont en train de se retirer. J'ai même un beau trou à ce niveau-là, sans même l'avoir utilisé. Il y a plein de coutures qui sont en train de se retirer. La première fois que vous utilisez le sac, j'ai l'impression qu'il y a de la poussière qui traverse le sac un petit peu partout. Mais après, ça s'arrête. C'est vraiment sur les 2-3 premières secondes d'utilisation. Au niveau des avantages, il y a quand même pas mal d'accessoires. Et finalement, il y a quand même une excellente puissance aussi bien en aspiration qu'en soufflerie. En sachant que j'ai testé sur un compresseur pas très puissant. Voilà, si vous avez le produit, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.